Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une série qui s'appelle « Leurs intentions à votre égard ». Donc l'idée, c'est de regarder la personne à qui vous pensez et d'explorer en fait ce qu'elle cherche ou ce qu'elle recherche avec vous, à quoi s'attend-elle de la relation. Donc le plan est très simple, la structure du tirage est très simple. On va regarder donc l'intention principale de cette personne à avoir cette relation avec vous. Mais on va aussi regarder les intentions sous-jacentes. On va parler un petit peu du passé entre vous deux. On va regarder le meilleur scénario possible et les actions futures de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, merci de partager peut-être et de commenter. J'adore connecter avec vous. Dernièrement, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Un grand merci de m'avoir écouté. À vous maintenant, les Sagittaires. Donc, quelle est l'intention principale de cette personne à avoir cette relation avec vous? Le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui veut vraiment donc, communiquer avec vous. On appelle aussi cette carte les flèches de l'amour. Donc, c'est le phénomène de tomber en amour ici. Vous avez quelqu'un qui aimerait vous dire qu'elle est tombée en amour avec vous, qu'elle est maintenant amoureuse de vous, homme ou femme. La personne aimerait que les choses aillent plus vite, beaucoup plus vite, ou en tout cas qu'elle aimerait que la relation évolue ou sentir qu'il y ait du mouvement. J'ai tiré le soleil à l'envers. Vous rendez cette personne heureuse, mais en même temps, elle n'a pas pleinement ce qu'elle désire, puisque la carte est à l'envers. Donc, elle n'a pas pleinement ce qu'elle désire avec vous. Elle n'a pas toute votre attention. Elle n'a pas tout votre... toute votre attention. Je continue. Le 6 de Pentacle est à l'envers parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sur un lien équitable. Il n'y a pas nécessairement un juste retour entre vous deux. Bien sûr, elle aimerait que l'échange soit réciproque. Pour l'instant, ça ne l'est pas. J'ai tiré la prêtresse à l'envers. Quelqu'un aimerait vraiment sortir de son silence ici. Donc, cette personne a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Entre le 8 de bâton plus la prêtresse à l'envers, cette personne aimerait vraiment sortir de son mutisme ici et parler. Parce que c'est l'impératrice qui est sortie. Il y a évidemment une possibilité d'avoir une relation extrêmement belle entre vous deux. Elle le sait ici. Elle le sent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amour qui vous est porté sur cette carte. En termes d'intention, cette personne aimerait que la relation évolue de la meilleure façon possible et surtout d'une manière organique. J'ai tiré le 4 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui ne veut pas se faire ignorer. Et le 2 de bâton, quelqu'un qui fonde beaucoup d'espoir ici dans le futur. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui voit à long terme. C'est quelqu'un qui a pensé plus loin que le bout de son nez. Cette personne est consciente qu'il y a un seuil à passer avec vous, comme si ce seuil n'a pas été atteint. Pour l'instant, dans ses intentions, elle aimerait pouvoir passer un cap avec vous. Donc, se rendre à une autre étape, faire avancer les choses toujours. Pour moi, faire avancer les choses, c'est rendre l'échange plus réciproque, qu'il y ait plus de va-et-vient, que ce ne soit pas juste dans un sens ici, sur le 8 de bâton. Je continue. Le 8 de pentacle est à l'envers avec le roi de bâton. Il y a un focus sur le travail, en fait, sur la carrière, mais surtout sur le... On peut parler de travailler sur la relation, bien sûr, avec le 8 de pentacle à l'envers. Mais cette personne-là
ne considère pas justement que c'est du travail. Autrement, on peut quand même penser que cette personne, pour le moment, se concentre sur son boulot comme tel. En termes d'intention, c'est une personne très droite, vraiment très honnête. J'aime beaucoup cette énergie ici. Vous avez quelqu'un qui est très transparent avec vous. Vous avez quelqu'un qui est potentiellement... J'ai poisson, lion, j'ai balance et taureau sur la table, mais le lion est très fort ici. Sagittaire aussi, mais surtout le lion. Si les signes vous importent. Avec l'énergie du lion, je ressens quelqu'un qui est... Je ressens quelqu'un qui aime et qui cherche vraiment à retenir votre attention ici, attirer votre attention. En partie aussi grâce à ses propres réalisations. C'est quelqu'un qui aimerait que vous la remarquiez, que vous le remarquiez grâce à ce qu'il ou elle fait. Le genre de métier, le genre de réalisation, d'accomplissement que cette personne a déjà réalisé. C'est quelqu'un qui aime parler de soi d'ailleurs, sans être ostentatoire, c'est très bien, mais la personne est capable de vous dire qui elle est sur le roi de bâton. Oui, j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est quelqu'un qui est très mesuré, c'est pas quelqu'un qui est trop out there, qui est pas quelqu'un d'extravagant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tirer un oracle, j'aimerais faire parler cette personne, j'aimerais que vous sachiez, donc puisque elle se voit, elle se projette dans le futur avec vous, elle sent qu'elle a un cap à passer, je pense que c'est par rapport à sentir que enfin que vous seriez intéressé. Wow! Nous deux, c'est très fort. Je vous lis la carte. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Wow, c'est beau! Moi, je dirais que c'est tout à fait une énergie de 8 de bâton impératrice et roi de bâton. Quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui pense que le lien est réciproque, quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Quelqu'un qui sent que vous êtes à un seuil, que vous pourriez donc dépasser un certain seuil, passer à la prochaine étape ici. Une partie de cette prochaine étape, c'est peut-être vous annoncer comme étant un couple ici, ce qui n'est pas le cas puisque la carte du soleil est à l'envers pour l'instant, le 6 de pentacle aussi est à l'envers. Mais surtout cette impression que pour l'instant, vous n'êtes pas reconnu comme étant nécessairement un couple. Il y a peut-être le désir ici pour cette personne d'officialiser la relation peut-être. Voyons voir ce qui est arrivé dans le passé entre vous deux. L'As de Pentacle est à l'envers. Vous avez connu presque un bon début, mais je vous dirais peut-être un délai. Ou l'impression que l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel, mais sans nécessairement que vous ayez pu réaliser ce potentiel, du moins pleinement. Ce qui est la situation, en fait, ce que je lis, c'est qu'il y a clairement un intérêt. Il n'y a simplement pas une forme de... Comment je pourrais vous dire? Vous êtes à décider quelque chose. Parce que pour l'instant, il y a une croisée de chemin aussi. Vous avez un choix à faire par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Donc, dans le passé, il y avait ce potentiel avec la reine de Pentacle. Voyez-vous, la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous offrir. C'est vraiment quelqu'un sur l'impératrice en plus par rapport à ses intentions. C'est quelqu'un qui veut grandir avec vous. C'est quelqu'un qui veut devenir prospère aussi. Si quelque chose vous intéresse, si
le fait d'être prospère à deux, de peut-être vous associer ensemble ou de penser que vous construisez un avenir financier ensemble, pas juste romantique, c'est une parfaite combinaison ici. Mais comme c'est on regarde le passé, je vous dis que cette personne-là, ça fait partie de ses intentions, ça fait partie de qui elle est, ça fait partie de ce qu'elle est capable d'apporter à la relation. C'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui gère bien son argent. Vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne, la personne est stable. Ce que j'aime en plus, c'est qu'elle est très, très, très féminine. Donc, ça, j'ai besoin de vous le montrer. Homme ou femme, c'est pas vraiment important, OK? Mais il y a une grande féminité, énergie d'empathie, de douceur, de flexibilité, d'adaptabilité, de réceptivité, bien sûr. Cette personne est prête à j'irai pas jusqu'à dire se mouler à vous, mais parce que je pense qu'elle reste elle-même, elle ne se travestira pas pour vous, mais je crois qu'elle est vraiment souple. Ce qui l'importe ici, c'est de vraiment se fondre. Je veux peut-être relativiser. Je veux pas nécessairement vous dire que c'est un amour fusionnel. Donc, le mot fondre est mal choisi. Mais je vais garder le mot fonder. Il y a quelque chose par rapport à vouloir fonder quelque chose avec vous. Et ça, c'est très fort. ce qui est dit aussi sur la carte de l'oracle. Nous deux, c'est très fort. Voyons voir le meilleur scénario possible entre vous deux en espérant que ça soit ultra positif. Le diable. OK. L'attirance physique est au rendez-vous. Le monde est à l'envers ici. OK. En termes de meilleur scénario possible, il y a tellement une attirance forte entre vous deux. Il y a malheureusement la possibilité d'une forme de codépendance entre vous deux. Et ultimement, il pourrait y avoir une espèce de... Il pourrait y avoir quelque chose qui est cyclique, mais quelque chose que vous n'aimez pas sur le monde à l'envers, quelque chose qui ne se termine jamais ou cette impression de ne jamais passer à la prochaine étape. Donc, moi, je vous disais qu'il y avait un cap à passer, il y a vraiment un choix à faire, il y a un seuil. Vous êtes à une étape cruciale de la relation. Et moi, je suis en train de voir ici que sur le meilleur scénario possible, sur le monde à l'envers, vous avez de la difficulté à passer ce cap. Je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose de malsain qui existe où il y aurait une... Je parlais de codépendance, mais il y a définitivement quelque chose qui est dans le chemin. Vous savez, je vous ai dit à quel point cette personne était souple. Il y aurait peut-être une tendance ici, le côté codépendance, sans nécessairement parler de codépendance. Pourtant, j'ai parlé de fusion aussi, je me suis rétractée. Donc, bien sûr, le diable n'était pas encore sorti, mais ça commence à... Voyez-vous que ça fait surface tranquillement, qu'on commence à voir que cette personne a tendance à... Ce que je pensais qu'elle ne faisait pas, je commence à voir qu'elle le fait. Elle a tendance à vouloir vous plaire beaucoup. Peut-être qu'elle met beaucoup trop d'eau dans son vin ici pour vous accommoder, pour accommoder la relation. Ça peut être très difficile sur vouloir un échange qui soit réciproque. Ça peut compromettre ça. Le meilleur scénario possible montre qu'il n'y a pas nécessairement un lien qui est équitable. Il y a quelqu'un qui domine l'autre, en d'autres termes. Voyons voir les actions futures de cette personne. Voyons voir ce qu'elle fait. Le chevalier de bâton. Elle veut vous séduire. Par rapport au meilleur scénario possible, vous avez vraiment quelqu'un qui veut au moins connaître l'amour physique avec vous. Dites-vous ça. Ça, c'est quelque chose de très, très fort en termes de ce qu'elle désire.
En termes d'action future, le 4 de Pentacle est à l'envers. Quelqu'un veut vraiment s'ouvrir à vous, même au niveau amoureux. Vous savez, cette personne est prête à faire beaucoup de choses. L'as d'épée est sorti à l'envers. Beaucoup de choses, même jusqu'à aller à mentir. Moi, je vous dirais, ce sont des mensonges par rapport à... C'est comme se mentir à soi-même. Comme je vous disais, si cette personne, malheureusement, cherche à trop se mouler à vous ou à essayer d'être quelqu'un d'autre de manière à ce que vous la preniez, à ce que vous soyez intéressé, à ce que vous vouliez passer à la prochaine étape avec elle, si elle n'est plus elle-même... Ça va être problématique, bien sûr, à long terme. Ça ne sera pas une relation très belle, mais aussi, c'est dommage parce que ça veut dire qu'elle se compromet. Elle n'est pas à l'écoute d'elle-même sur cette carte. Manquer d'écoute. Même entre vous deux, j'irais jusqu'à dire... Excusez-moi, je réfléchis au 4 de Pentacle à l'envers. En termes d'action future, vous avez quelqu'un qui est... Écoutez, il y a une grande force ici de... Il y a quelqu'un qui s'impose, malheureusement. Ou qui cherche à s'imposer, du moins. Le 4 de Pentacle me fait penser que, en anglais, j'aurais tendance à dire « she's going all out ». La personne se permet d'aller, d'en faire trop ou de peut-être dépasser un peu ses propres actions, d'essayer d'en faire un peu plus qu'est-ce qu'elle ferait habituellement. En d'autres termes, c'est comme vous dire « elle sort de ses gonds », mais pas en termes de colère. Elle sort de son cadre habituel. C'est ça que je veux vous dire sur cette carte. Encore une fois, pour moi, c'est manquer d'authenticité par rapport à soi-même sur l'as d'épée à l'envers. C'est bien dommage parce que vous avez quelqu'un qui est vraiment très entiché de vous. Mais je pense que vous allez... Je pense que vous ressentez cette force. Je pense que vous ressentez l'intensité ici de cette connexion par rapport au meilleur scénario possible et par rapport aux intentions. Donc, ça se peut que ça vous fasse fuir. Ça se peut que vous n'aimiez pas non plus que quelqu'un se travestisse pour vous. Parce que de toute façon, vous auriez une mauvaise surprise tantôt. Parce qu'on dit toujours « chasser le naturel et il revient au galop ». Ça serait le genre de scénario ici. Ça pourrait vous exploser en pleine face si vous acceptiez donc de prendre cette personne par rapport au changement qu'elle fait. Ne serait-ce que pour essayer de vous amadouer ici. Bref, vous me direz ce que vous avez décidé. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez d'une personne dont vous sentez que l'attachement peut être au final trop fort au lieu d'être juste très fort. Il serait trop fort. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir été ici. Je vous répète que mon courriel est dans la boîte de description si vous désirez un tirage personnalisé. Entre-temps, portez-vous bien, passez un excellent mois de novembre.